Il a toujours su faire son entrée. Alain Delon, aujourd'hui âgé de 87 ans, et monument du cinéma français, a reçu une palme d'honneur décernée par le Festival de Cannes en 2019 pour l'ensemble de sa carrière. Le Guépard, Le Samouraï, La Piscine, Le Clan des Siciliens, Le Cercle Rouge, Borsalino, tous ces films ont marqué le cinéma français et la vie de l'acteur. N'oublions pas Monsieur Klein, projeté ce dimanche soir au Festivalier, film qui ne laisse aucun spectateur indifférent. Habitué du Festival de Cannes, Alain Delon y a fait de multiples apparitions. Avec Romy Schneider, avec sa fille Anouchka. Le Samouraï, comme il est souvent surnommé, y est connu pour son lever de bras, quasi systématique sur les marches du Palais des Festivals, face à des centaines de photographes, venus immortaliser l'instant. Closer vous propose de redécouvrir les clichés les plus emblématiques d'Alain Delon au Festival de Cannes. La Palme d'honneur du Festival de Cannes, un prix très prestigieux. La Palme d'honneur est l'un des prix les plus prestigieux de la croisette. Il récompense des monuments du cinéma. En 2018, c'est Jean-Pierre Léo, l'enfant des 400 coups de François Truffaut qui la recevait. Avant lui, Jean-Paul Belmondo, Jane Fonda, Catherine Deneuve et Jeanne Moreau s'étaient vus décerner le précieux sésame.